On va donc continuer ici notre découverte du calcul matriciel avec cette fois la multiplication matricielle. La multiplication qui est illustrée ici avec cet écran d'ordinateur qui te présente l'algorithme de calcul du produit de deux matrices. Ces quatre petites instructions ici permettent à cet ordinateur de calculer le produit de deux matrices de dimension quelconque. Et les dimensions peuvent, dans la plupart des applications, être assez importantes. Il n'est pas rare de traiter des matrices 1000 fois 1000, par exemple, ce qui représente 1 million d'éléments. Eh bien, cet ordinateur, grâce à ces quatre instructions, est capable de faire le produit de telle matrice en une fraction de seconde. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, l'ordinateur est particulièrement bien adapté au formalisme matriciel. Alors voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est cette quatrième instruction ici, qui en fait contient la formule théorique du produit matriciel. C'est cette formule que j'aimerais bien que tu comprennes à la fin de cette séquence. C'est vraiment à cette formule que cette séquence est dédiée. Alors voilà, on va voir la multiplication matricielle ici en détail. En réalité, la multiplication matricielle, on l'a déjà rencontrée. Dès la séquence d'introduction, je t'ai parlé de produit matriciel. Je t'ai dit dans cette séquence d'introduction, effectivement, que ce système d'équations linéaires pouvait être mis sous forme matricielle ici, où ici, on rencontre bien sûr un produit. Et pour que l'information qui est donnée ici soit la même que celle-ci, eh bien, on a dû définir une convention de produit matriciel. Par convention, on a décidé que le produit matriciel consistait à faire la chose suivante. On a pris la première ligne de cette matrice-ci et on l'a multipliée ici par la colonne de cette seconde matrice. Et on a fait AX plus BY. Quand je dis que je multiplie la ligne et la colonne, c'est bien que je fais le produit scalaire de la première ligne avec la deuxième colonne. On y reviendra dans quelques minutes à ça. Donc je fais bien AX plus BY égale AP. Et pour la deuxième équation, je fais bien CX plus DY égale AQ. Ça correspond bien à l'information qu'on a ici. Pour qu'il y ait cette correspondance, j'insiste beaucoup, on a dû définir le produit matriciel comme je viens de refaire. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce que je vais te proposer dans cette séquence, eh bien, c'est une généralisation de cette petite règle de produit que je viens de faire ici avec une matrice colonne. Cette fois, on va le faire avec des matrices d'ordre quelconque à gauche et à droite. Voilà. Donc, voilà, je t'ai aussi dit dans l'introduction qu'on pouvait adopter une notation encore plus compacte ici pour ce système d'équations. Je peux très bien appeler cette première matrice la matrice A, la matrice des inconnus ici, je l'appelle X, et la matrice des termes indépendants, je l'appelle P. Dans ce cas-là, mon système d'équations peut effectivement s'écrire de manière extrêmement compacte en disant tout simplement que A fois X est égal à P. Ça, c'est une notation qui rappelle, bien sûr, celle des calculs faits sur les nombres. Je peux écrire ici une petite équation linéaire, analogue à celle-ci, où x est l'inconnu, a est un coefficient, p est un nombre ici, et on sait bien que x va être donné par p divisé par a. Ce que je peux ici te démontrer en multipliant simplement par l'inverse de a à gauche et à droite. L'inverse de a fois a, ça se neutralise, ça me donne 1, et on voit donc effectivement que x est égal à p divisé par a, c'est-à-dire p multiplié par l'inverse de a. Et voilà, et on a vu dans l'introduction que effectivement on peut écrire le x ici comme étant égal à p que multiplie ici a moins 1. A moins 1, a exposant moins 1, c'est bien l'inverse de la matrice A, fois P me donne bien le X. Alors ça, dans l'introduction, je te l'avais démontré en résolvant ce système d'équations de manière tout à fait classique, sans utiliser le formalisme matriciel. Par élimination des variables, on avait montré que X et Y pouvaient effectivement se mettre sous cette forme-ci. X représente bien X et Y, et les valeurs de X et Y qu'on avait obtenues pouvait bien se mettre sous cette forme-là, à condition que cette matrice A-1 soit une matrice bien précise, bien sûr, qui est la suivante. C'est la matrice qu'on obtient ici en inversant le rôle de A et de D, et en inversant ici les signes de B et de C. Il y avait encore ici ce déterminant qui rentrait en ligne de compte ici. Ce déterminant, rappelle-toi, c'est tout simplement le nombre qu'on obtient ici en faisant AD-BC.
AD-BC, c'est le déterminant de la matrice du système. Voilà. Alors, dans l'introduction, je ne t'ai pas expliqué en détail le passage de cette ligne-ci à cette ligne-ci. Hein, si je te l'explique en détail, ce que je vais faire ici, ben, c'est multiplier à gauche et à droite par l'inverse de la matrice A, exactement comme je l'ai fait ici pour le petit nombre A. Alors voilà, je vais le faire, j'ai A moins 1 fois A fois X qui me donne A moins 1 fois P. Et bien sûr, tu vois que ceci nous confronte au calcul du produit de deux matrices. Que veut dire A moins 1 fois A ? On voit que pour répondre à cette question, c'est-à-dire pour expliquer pleinement la ligne que j'ai ici, eh bien, je dois calculer un produit de deux matrices. De deux matrices qui ne sont pas comparables à celle-ci. Hein. Ici, la deuxième matrice, c'est une matrice colonne. Ici, ce n'est plus le cas. La deuxième matrice, c'est une matrice 2 fois 2. Et donc, ce que je vais faire dans cette séquence, c'est expliquer comment on généralise la règle du produit matriciel qu'on avait ici à des matrices 2 fois 2. Et on passera ensuite à des matrices d'ordre quelconque, tu le verras, dans quelques minutes. Voilà. Alors bien sûr, je suppose que quand je ferai ce produit ici, ben, j'obtiendrai quelque chose qui sera comme un 1, analogue à un 1 ici, comme on l'avait ici. Alors je dis bien analogue à un 1 parce que tu verras que c'est beaucoup plus subtil, hein, mais ça sera le sujet d'une séquence ultérieure. Pour le moment, l'objet de cette séquence, c'est de t'expliquer comment on fait le produit de deux matrices. Alors pour ça, on va bien sûr se baser sur la règle qui est ici. Ici, on avait établi une règle claire. Lorsque l'on a ici une matrice colonne, on sait comment faire un produit. Et donc je vais partir de là. Voilà, je vais donc calculer le produit de deux matrices 2 fois 2, la matrice ABCD avec la matrice EFGH. Alors, ben, précisément, je n'ai pas encore la règle, donc comment est-ce que je pourrais te répondre, comment faire ce calcul mais voilà, puisque je connais la règle de calcul avec une matrice colonne, eh bien, je vais tout multiplier ici par une matrice colonne que je vais appeler XY. Là, je peux procéder parce que je vois que j'ai une matrice 2 fois 2 ici en produit avec une matrice 1 fois 2. Ça, comme je viens de te l'expliquer, on l'a vu depuis l'introduction, je sais que je dois faire la ligne par la colonne, la ligne par la colonne. Et donc, j'obtiendrai bien ici un résultat qui est connu, qui sera un vecteur colonne également. Et un vecteur colonne fois une matrice 2 fois 2, je sais le faire. Et donc je vois que j'ai quelque chose à creuser ici, et c'est donc ce que je te propose. Je vais d'abord effectuer le produit de ces deux matrices-ci. Donc je vais réécrire celle-là telle qu'elle est là, la matrice ABCD, on la retrouve ici. Et ici, j'écris le résultat du produit de ces deux matrices. C'est très simple, E, X plus F, Y, pour le premier élément de cette matrice, G, X plus H, Y, pour le deuxième élément de cette matrice. Et maintenant, j'ai bien une matrice colonne ici, que multiplie une matrice 2 fois 2. C'est la même situation que celle que j'avais ici, une matrice 2 fois 2 fois une colonne, une matrice 2 fois 2 fois une colonne. Et donc je peux le faire facilement. Hein, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai A fois EX plus FY plus B fois GX plus HY. C'est bien ce qui est écrit ici. Et je peux faire la même chose pour l'autre ligne, l'élément inférieur. J'aurai bien C fois EX plus FY, c'est ce qui est écrit ici, plus D fois GX plus HY. C'est bien ce qui est écrit là. Une fois que j'ai ça maintenant, ce que je te propose de faire, ben, c'est de ranger les termes de manière à regrouper les X et à regrouper les Y ensemble. Alors je vois que X est multiplié par A fois E ici, et ici encore par B et G. Donc, quand je vais regrouper X, ben, j'aurai bien AE plus BG fois X. Hein, c'est ce que je vais écrire ici, AE plus BG fois X. On retrouve bien ça, et on retrouve bien ce terme-là. Même chose pour les Y, bien sûr. J'aurai AFY plus BHY. AFY plus BHY. C'est bien ce que j'ai ici quand je distribue le Y. Et la même chose pour la deuxième ligne, bien sûr. Hein, j'ai bien C fois EX plus DGX. C fois E fois X plus DG fois X. On le retrouve bien. Et ici, j'ai CF plus DH. CF plus DH fois Y fois Y. Voilà, tout marche bien, je ne me suis pas trompé. Et maintenant, ce qui m'intéresse bien sûr, c'est de continuer ici et de me débrouiller pour obtenir le vecteur XY ici, le vecteur colonne en évidence. Et ça, tu as sans doute compris hein, qu'on peut tout de suite le faire. On voit très bien que la matrice
résultat ici. Je peux l'obtenir en prenant la matrice dont les éléments sont ici les nombres entre parenthèses, en faisant le produit donc de cette matrice avec le vecteur colonne XY. Hein, voilà, je vais le faire directement pour que ce soit clair pour toi, inutile de traîner. Je vois bien que la matrice dont les éléments ici sont les parenthèses que j'ai là, hein, tu le vois bien, AF plus BH par exemple, quand je vais mettre cette matrice-là en produit avec XY, eh bien, je vais bien obtenir le vecteur colonne que j'ai ici. Allons-y, hein, AE plus BG fois X plus AF plus BH fois Y, c'est bien ce qui est écrit ici. Et je peux faire la deuxième ligne, CE plus DG fois X, je vais l'obtenir en faisant CE plus DG fois X plus CF plus DH fois Y. J'applique tout simplement la règle du produit avec ici un vecteur colonne. C'est bien juste, j'ai bien ceci. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai ici ? Ben, je me retrouve ici avec une expression dans laquelle j'ai le vecteur colonne XY et j'ai le vecteur colonne XY. Je suis obligé, par cohérence, de constater que le produit de ces deux matrices que j'ai devant le XY ici, eh bien, est égal à la matrice qui se trouve devant le XY ici dans ce membre de droite. Voilà, j'ai donc obtenu ce que je voulais. Je vois que si je veux être cohérent avec la règle de calcul du produit des matrices que j'ai dû introduire, hein, pour l'écriture de systèmes d'équations linéaires, hein, si je suis bien cohérent avec cette première règle que j'avais établie ici, ligne par colonne, hein, comme je l'ai fait, eh bien je vois que la matrice résultat ici du produit de ces deux matrices est cette matrice-là. Et donc je peux l'écrire, c'est ce que je voulais. Et maintenant on peut analyser ce résultat. Hein, qu'est-ce que je vois ? Je vais analyser ce premier terme ici, ce premier élément de la matrice ici. Je vois que c'est AE plus BG. Et avec ça, je suis assez familier, bien entendu. Hein, AE plus BG, c'est tout simplement le produit de la première ligne avec la première colonne pour obtenir l'élément de la première ligne et la première colonne. Ici, l'élément de la deuxième ligne première colonne, ben, je l'obtiens en prenant la deuxième ligne avec la première colonne, CE plus DG. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, bien sûr, c'est que ce sera la même chose pour ces éléments-ci. Jusque-là, ben, ce n'est pas une surprise, c'est ce qu'on avait quand on avait un vecteur colonne. Je n'ai fait que appliquer la ligne avec la colonne, ligne avec la colonne, pour obtenir ici ces deux éléments. Mais on voit que c'est tout aussi simple pour obtenir la deuxième colonne ici. Il suffit de faire la même opération que ce qu'on vient de faire avec la première colonne, mais avec la seconde. Je vois bien que j'ai effectivement AF plus BH, AF plus BH, et puis CF plus DH, CF plus DH. Tout ça marche très bien. Donc voilà, pour bien voir clairement quelle est la règle du produit de deux matrices, hein, je vais ici bien structurer les choses. Hein, je vais reprendre ici la première ligne, la mettre en produit scalaire avec cette première colonne pour obtenir l'élément de la première ligne et de la première colonne qui est là. Hein, quand je parle de produit scalaire ici, c'est bien sûr une analogie. Hein, je regarde la ligne ici comme si c'était un vecteur de composante A, B, comme je l'écris ici. Et tu vois que j'ai mis un petit vecteur ici. Hein, ça ne veut pas dire que je dis que cette ligne représente un vecteur. Hein. Cette ligne, c'est un simple tableau avec deux éléments. On appelle ça une matrice. Mais je fais le parallèle avec les vecteurs ici. Voilà. Et je vais dire que cette colonne, eh bien, c'est le vecteur C de composante E, G. Et quand je fais le produit scalaire, eh bien, je fais tout simplement, hein, quand je considère le produit scalaire ici, je fais tout simplement la somme des produits des éléments homologues, des composantes homologues. La première composante avec la première composante, c'est le AE qui apparaît là. Et je fais plus le produit des éléments homologues que j'ai ici, les deuxièmes composantes B et G. Hein, tout ça pour bien te rappeler ce que c'est que ce produit scalaire qu'on utilise ici en analogie pour obtenir le produit matriciel. Donc voilà, hein, tu as compris probablement la règle. Pour obtenir l'élément de la première ligne de la première colonne, eh bien, je prends la première ligne que je mets en produit scalaire avec la deuxième, avec la première colonne, mais de la deuxième matrice. Il ne faut pas se tromper dans les ordres ici. Premier élément que j'ai ici, c'est l'élément de la première ligne, première colonne. Je prends la première ligne que je mets en produit avec la première colonne de la deuxième matrice. Voilà. Et maintenant, pour passer à l'autre élément ici, je suis toujours sur la première ligne, mais sur la deuxième colonne, eh bien, je prends la première ligne et que je multiplie avec la deuxième colonne. J'ai bien AF plus BH. AF plus BH.
pour passer à cet élément-ci, qui est l'élément de la deuxième ligne et de la première colonne, eh bien, je prends la première ligne, la deuxième ligne, pardon, et la première colonne pour l'obtenir. J'ai bien CE plus DG. Et voilà, tu as compris hein, que pour obtenir l'élément de la deuxième ligne, deuxième colonne, eh bien, je prends la deuxième ligne avec la deuxième colonne de la deuxième matrice. Et j'ai bien CF plus DH. CF plus DH. Hein, tu vois que ça marche bien. Tu vois apparaître ici hein, la règle du produit des matrices qu'on va donc généraliser. Avant de généraliser, j'aimerais bien que les choses soient bien claires. Hein, donc ce que je vais faire ici pour bien faire apparaître la règle hein, du produit de deux matrices, c'est ici écrire ces deux matrices en notation standard. Hein, ce que j'appelle la notation standard, c'est ici hein, pour la lettre grand A, je choisis les petites lettres A. Pour la lettre grand B, je choisis les petites lettres B. Et bien sûr, ces nombres diffèrent ici au travers des indices. Hein, c'est clairement des nombres distincts. Les indices, je te rappelle, le premier indice représente la ligne sur laquelle se trouve l'élément. Je suis bien ici avec un indice 1 pour le premier indice. Et je suis bien sur la première ligne, effectivement. Ici, je suis bien sur la deuxième ligne. Le deuxième indice indique bien sûr l'ordre de la colonne. Ici, je suis bien en première colonne. Je suis bien avec un 1 et un 1, je suis bien sur la première colonne. Et ici, je suis bien sur la deuxième colonne. Et c'est la même chose, bien sûr, pour la matrice B. Si tu adoptes cette notation standard, tu verras que quand je vais faire le produit ici, eh bien, la règle va apparaître tout à fait naturellement, la règle du produit des deux matrices. Qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître ici le produit scalaire de la première ligne avec la première colonne. Et effectivement, on le voit tout de suite que c'est le produit scalaire de la première ligne avec la première colonne. Pourquoi? Parce que j'ai A avec un premier indice qui est 1, ici et ici. Je le mets en évidence, cet indice. Et je vois que ici, j'ai bien, pour la matrice B, j'ai bien pris la première colonne. Le deuxième indice représente bien la colonne, et je vois bien que j'ai 1. J'ai bien pris la première ligne avec la première colonne. Et puis les autres indices ici, ceux du milieu, ben tu vois bien qu'ils permettent de faire le produit des éléments homologues. J'ai pris le premier élément avec le premier élément de la colonne, le deuxième élément de la ligne avec le deuxième élément de la colonne. J'ai bien fait le produit scalaire de ces deux vecteurs. Et c'est la même chose pour tous les éléments. L'élément de la première ligne deuxième colonne, eh bien je l'ai en prenant la première ligne de A avec la deuxième colonne de B. L'élément de la deuxième ligne première colonne, je l'ai ici en prenant la deuxième ligne de A avec la première colonne de B. Et toujours les éléments homologues ici qui sont en produit parce que j'effectue le produit scalaire. Et voilà, tu as compris, c'est la même chose. Hein, l'élément de la deuxième ligne, deuxième colonne, je l'ai en prenant la deuxième ligne de A avec la deuxième colonne de B. Voilà. À partir de là, ben, on peut maintenant formuler, en tout cas pour une matrice 2 x 2, hein, c'est une petite formule qui sera encore assez limitée, mais on va y aller progressivement. Je peux, à partir de là, noter le résultat ici que j'ai d'un point de vue théorique. Je ne dois pas me contenter d'énoncer cette règle avec les mains. Je vais ici avoir une écriture théorique. Je vais dire que le produit de la matrice A par la matrice B, c'est une troisième matrice C, c'est la matrice produit. Je peux dire que cette matrice, elle est faite d'éléments. C'est la matrice d'éléments CIJ. I, je te le rappelle, désigne les lignes. J désigne les colonnes. Hein, CIJ désigne tout simplement donc l'élément de la IM ligne et de la JM colonne. Exactement comme les B1,1, B1,2, etc. qu'on avait ici pour la matrice B. Alors voilà, ben je vais regarder ce que j'ai ici pour ces éléments de la matrice résultat, de la matrice C. Je vais écrire ce qui est ici de manière théorique. Pour la ligne I, la colonne J, ben je vois que j'aurai tout simplement la ligne I de A avec la colonne J de B. Hein, c'est ce que j'ai ici pour l'élément de la première ligne, deuxième colonne. Tu vois bien que j'ai 1 et 2. Pour l'élément de la IM ligne, de la JM colonne, j'aurai donc I et J. Et donc je peux l'écrire. Voilà. Ceci représente bien le produit scalaire de la IM ligne de A avec la JM colonne de B. Je vois bien les éléments homologues hein, qui se retrouvent ici. Ceci est une notation théorique qu'on va encore rendre plus théorique en introduisant le signe somme qui est ici. J'espère que tu es déjà un petit peu familier avec ce signe somme, hein, mais si tu ne l'es pas, ce n'est pas très grave, hein, parce que voilà, le signe somme ici veut tout simplement dire qu'on va sommer les produits
des éléments de A et de B qui sont ici, comme tu le vois, on fait effectivement des produits d'éléments de A et de B. Qu'est-ce que j'ai écrit ici ? Ben, j'ai repris le I et le J, comme tu peux voir, je suis bien en train de multiplier une ligne, la ligne I de la matrice A avec la colonne J de la matrice B. C'est bien ce que j'ai, I et J, I et J. Et je vois ici que je somme les produits des éléments homologues, le kème élément de la im ligne est mis en produit avec le kème élément de la jm colonne de la matrice B. Et on voit que le k ici, ben, il remplace tout simplement le 1 que j'ai ici et le 2 que j'ai là. Et bien, c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit que k était égal à 1 et que cette somme se faisait de 1 à 2. Alors c'est une somme très limitée, il n'y a que deux termes à cette somme, mais tu vois bien que ce symbole va être utilisé ici pour généraliser à n'importe quel nombre de lignes et de colonnes. Donc voilà, j'ai ici une écriture qui est donc l'écriture théorique du produit matriciel ici de ces deux matrices 2 fois 2. On va lire cette petite formule, il faut que tu te familiarises avec cette petite formule. L'élément de la matrice produit, l'élément IJ de la matrice produit est donné par la somme des AIKBKJ. C'est une petite musique qui va rentrer dans ton esprit quand tu vas faire le calcul du produit de deux matrices. Somme des AIKBKJ. Voilà. Maintenant, si tu as compris tout ça, bien tu es prêt à aborder la formule générale. Comment est-ce qu'on va faire le produit de deux matrices d'ordre quelconque ? C'est ce que je vais considérer maintenant. Alors, je ne vais pas considérer des ordres tout à fait quelconques, je vais commencer par des matrices carrées. On a travaillé des matrices 2 fois 2, maintenant je te propose des matrices n fois n. Voilà, donc je vais appeler C, la matrice résultat ici, c'est la matrice produit de A par B, et je vais dire que C a pour élément CIJ. I, c'est l'élément donc de la IM ligne, et le J indique que c'est l'élément aussi de la JM colonne, il s'agit donc bien d'un élément bien précis. Pour obtenir cet élément, eh bien, je vais tout simplement prendre le produit scalaire de la IM ligne avec la JM colonne. Et donc, je vais mettre en évidence ici la IM ligne et la JM colonne. Tu as vu que j'ai représenté les autres éléments en grisé, puisque tout ce qui m'intéresse pour avoir la formule théorique ici, c'est le produit scalaire de la IM ligne avec la JM colonne. Et donc voilà, ce produit scalaire, je vais de nouveau ici insister, on va l'obtenir en prenant bien le produit des éléments homologue, je vais le prendre, voilà, c'est le premier produit que je considère dans la somme des produits du produit scalaire. Et donc voilà, maintenant je vais prendre les deuxièmes éléments ensemble, ça justifie à chaque fois qu'on prend bien à chaque fois les deux mêmes indices ici, les indices qui sont proches l'un de l'autre, ce sont toujours les mêmes, 1, 1, 2, 2. I et J ben, sont donnés forcément par le fait que je suis en train de faire le produit scalaire de la IM ligne avec la JM colonne, IM ligne, JM colonne. Il faut être cohérent, on fait bien une même ligne avec une même colonne, I, J. C'est pourquoi les I et les J, on va les retrouver partout. Voilà, je continue comme ça pour tous les éléments, jusqu'au dernier, bien sûr, que je vais avoir ici, A, I, N fois B, N, J. Ce sera le dernier élément de ma somme, je vais faire la somme pour obtenir le produit scalaire. Et comme tu vois ici maintenant, j'utilise de nouveau le signe somme, mais on voit que l'indice des éléments homologues ici va de 1 à petit n cette fois-ci. Effectivement, j'ai bien n éléments sur ma ligne ici, j'ai bien n colonnes effectivement dans cette matrice. Et ici j'ai bien n éléments dans la colonne que j'ai ici, j'ai bien n lignes dans cette matrice. Donc voilà, c'est bien ceci, la formule du produit des deux matrices A et B. Et je peux dire que ceci, ben, c'est une matrice d'éléments CIJ qui valent la somme pour K des AIK BKJ. Ceci, c'est donc la formule du produit des matrices, c'est la formule théorique à considérer quand tu fais le produit de deux matrices. Voilà, alors, on va un petit peu généraliser ça maintenant. On pourrait se demander quelles sont les dimensions de cette matrice. Alors c'est assez évident, la dimension de cette matrice ici, ça va tout simplement être le nombre de valeurs ici que peut prendre le i. Le i peut aller de 1 jusqu'à ben, petit n, puisque ici j'ai n lignes dans ma matrice A, ça veut dire que le i qui est ici peut aller de 1 jusqu'à petit n. Et donc je sais que j'ai bien petit n lignes pour la matrice C. Le j pardon, qui est ici,
hein, va forcément pouvoir varier aussi de 1 à n. J'ai bien n colonnes ici. Et donc, je sais que j peut varier de 1 à n. Le j peut varier de 1 à n. Hein, tu as tout de suite compris que les dimensions, l'ordre de cette matrice, hein, c'est bien n fois n. Et je peux donc le noter. Mais voilà, donc ça c'était pour une matrice carrée, pour deux matrices carrées, qui me donnent une matrice carrée de même dimension, de même ordre. Maintenant l'idée, c'est de généraliser ça bien sûr. En réalité, ici, il n'y a rien qui m'empêche de considérer un nombre de lignes différents, que j'appelle L. Effectivement, hein, ici, il n'y a rien qui m'empêche de dire que I ne s'arrête pas à un petit n, mais s'arrête à une valeur de L. Je peux très bien avoir L lignes ici. Il n'y a rien qui m'empêche de prendre ces L lignes et de les mettre en produit scalaire avec les colonnes qui est ici. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais limiter l'indice ici à L. L représente le nombre de lignes que j'ai dans ma matrice. Voilà, mais comme je viens de te le dire, hein, les valeurs de I maintenant peuvent aller de 1 jusqu'à L. De ce côté-ci, ben, ce sera la même chose. De ce côté-ci, forcément, il faut être cohérent. Tout ce que je pourrais avoir comme valeur de I ici, ben, c'est des valeurs qui vont de 1 à petit l. Et donc je sais que le nombre de lignes de la matrice C, ce sera le petit l, et je le mets tout de suite ici. Si j'ai l ici, je retrouve l ici. Et bien sûr, tu as compris qu'il en était de même hein, pour le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes ici, je peux le choisir comme je le veux. Je peux mettre plus ou moins de colonnes. M ici est un nombre entier quelconque. Maintenant, les valeurs de J ici, ben, elles vont jusqu'à M. Et donc ici, les valeurs de J vont jusqu'à M. Elles peuvent aller de 1 à M. Ce qui veut dire que le nombre de colonnes de ma matrice C est égal au nombre de colonnes de la matrice B. Et donc si j'introduis M pour la matrice B, eh bien j'aurai bien M colonnes pour la matrice C. Voilà. Et on a donc maintenant ici, hein, je dirais, ben, la dimension de la matrice produit. Ce sera tout simplement donné par le nombre de lignes de la première matrice multiplié par le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Alors maintenant, on pourrait se poser la question ici, est-ce que je peux généraliser les n ici? Est-ce que je pourrais introduire ici un nombre entier différent de celui-là? Eh bien non, ça on ne peut pas. On voit qu'on ne peut multiplier que des matrices qui ont le même nombre n ici. Hein, je suppose que tu as déjà compris pourquoi, hein, mais je vais quand même te le dire. Hein, si j'avais un nombre de colonnes ici qui serait différent du nombre de lignes de la deuxième matrice, eh bien je ne pourrais plus faire de produit scalaire. Essaye d'imaginer hein, que j'ai un nombre de colonnes ici qui est différent du nombre de lignes que j'ai là. Ben, ça veut dire que j'aurai un nombre d'éléments pour le vecteur, entre guillemets, hein, ce que je considère comme un vecteur ici en produit scalaire avec l'autre, ben, j'aurai un nombre d'éléments qui ne serait pas le même que le nombre d'éléments que j'ai là. Et donc je ne trouverai pas les produits des éléments homologues. À un moment donné, je ne trouverai plus d'éléments homologues. Si j'avais plus de colonnes ici que de lignes ici, eh bien, les éléments que j'ai ici en plus ne trouveraient pas leur homologue. Je serais incapable de formuler le produit scalaire hein, qui est écrit ici. Et donc, ça n'a tout simplement pas de sens. On ne peut pas calculer un produit de matrice si les n ici ne sont pas les mêmes, si le nombre de colonnes de la première matrice n'est pas égal au nombre de lignes de la deuxième matrice, tu ne peux tout simplement pas faire de produit matriciel. Ça n'a tout simplement pas de sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Hein. Ceci, c'est la petite formule qui se trouve ici, quelque part, dans ces instructions, principalement ici, bien sûr, dans cette quatrième ligne. C'est la formule du produit de deux matrices. La matrice A fois la matrice B sera une matrice d'éléments C, I, J, et ces éléments valent tout simplement la somme pour K égale à 1 jusqu'à petit n de A, I, K, B, K, J. Voilà, hein, c'est ici que s'arrête cette séquence. Je t'invite maintenant bien sûr à voir la séquence suivante qui sera consacrée aux propriétés du produit matriciel. Tu verras qu'il y a plein de choses à dire sur le produit matriciel. Voilà, je te dis donc à bientôt et je te remercie pour ton attention.